Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez pour ceinture la vérité, revêtez la cuirasse de la justice et mettez pour chaussure à vos pieds la promptitude à annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez également le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez donc avec une entité, une entière persévérance, priant pour tous les saints et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné la bouche ouverte de parler avec assurance du mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, afin que je l'annonce avec assurance, comme il convient de le dire. Éphésiens chapitre 6.